Salut tout le monde, c'est Tipsy 110, on se retrouve au... Allez, ça y est, je commence déjà à bugger. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Remember Me, hein, comme je l'avais laissé après le boss. Donc, le cœur d'une mère est un abîme... Ah mais oui, on l'avait déjà eu. Donc, bon, c'est une vidéo qui sera courte, hein, j'en ferai qu'une aujourd'hui. Ouais, en ce moment, j'ai pas mal... Parce que je dois faire pas mal de trucs sur d'autres jeux. Sur la Bastille, et avec ma team. Je n'étais qu'abattement et déception. Certes, le règne de Madame est terminé, mais mon passé m'a encore échappé. Toujours privée de mes souvenirs, j'étais obligée de suivre les consignes de Edge, mais sans conviction. Et même si les atrocités de la prison m'ont convaincue du bien fondé du combat héroïste, le souvenir de mon crime ronge désormais mon esprit. J'avais poussé un homme au suicide. Qu'ai-je commis d'autre ? Pire ? Edge, lui, se réjouit de la victoire. Nos compagnons libérés ont repris la lutte contre l'hérésie du Sensen à travers Néo-Paris. Maintenant, il veut frapper Memorize au cœur en mettant un terme au projet reconversion. Son plan ? Viser la reine. Scylla Carty-Wells, présidente de Memorize. Je dois remixer sa vision du monde. Fausser son passé pour apaiser son cœur meurtri. Alors je m'interroge. Dois-je accepter d'échanger mon âme contre une victoire ? Est-ce qu'un crime peut en justifier un autre ? Oui. L'ancienne Nilin avait sûrement la réponse. Quant à moi, je n'en sais rien du tout. Bon bref, je suis désolé, à chaque fois je me retape les cinématiques, mais je peux pas les passer. J'ai à peu près essayé tous les boutons de mon clavier. Donc voilà. Donc oui, je disais, j'ai pas mal de taf sur les autres jeux, par exemple Dofus, je dois passer 108. Oui, je joue à Dofus, hein, j'avais envie de me remettre un MMORPG, donc j'ai choisi celui-là, parce que je trouvais que le choix des classes était plutôt pas mal. Même si graphiquement ça fait un peu gamin, mais moi j'aime bien. Et ensuite, j'ai quelques petits trucs à régler avec ma team là, ce soir. Donc j'ai pas trop le temps, hein, surtout que j'ai maintenant une vie sociale. Accède au siège de Memorize. C'est bizarre. Trouve cette ordure de Scylla et mets un terme au projet reconversion. Brise la coquille de ses certitudes. Il faut éviter la création d'une armée de Leapers. Ah oui, c'est vrai, je dois... Ok. Merde. Bon, alors déjà, j'ai... Putain. Comment est-ce que ça marche? Je peux pas le lever plus que ça, en fait. Moins ce que je fasse un saut, je ne peux pas sauter là-dessus. Donc, je ne comprends pas par où je dois aller, en fait. Mais ça doit être tout droit, vu qu'il y a un obstacle. C'est ça qui est infranchissable, ma souris ne... pas... Mais oui, c'est vrai, je... Non, je ne peux pas marcher. Mais si, je peux marcher, mais... Ah mais oui, je suis débile. Oui, j'ai eu le temps d'oublier un peu les contrôles de... Voilà. Ah mais que boulet je suis. Il y a encore des hippers là, mais on est où? Il n'y a rien ici. Voyons voir. Le robot à la con. Ah non, ça commence. Ah non, j'ai pas assez. Mais ils sont où les autres? Ah, je me disais. À chaque fois, j'oublie le combo, ça m'énerve. Ah, ça y est. Putain, on dirait moi qui joue à un FPS, là, l'autre bouffon qui parle. Carnage, carnage. Oui, c'est vrai, je joue pas vraiment en réfléchissant. Enfin,
Enfin si, je joue en réfléchissant, mais je pense qu'à tuer. Tout en restant planqué. Quitte à être un salopard. Non, sauf que moi j'ai peut-être un petit peu plus que de conversation que ce bouffon là. Aïe. Mais par contre il joue mieux que moi. En même temps, on va dire que je suis un peu un noob sur le bord. Voyons voir, c'est par où. Il y a un saccage dans ce magasin. Alors c'est plus en euros, c'est en écus. Les écus du Moyen-Âge, ok. Votre style, votre... Non, non, mais moi je veux visiter. Ah, ben, de l'autre côté, il n'y a rien de toute façon. Dépêche-toi, c'est notre dernière chance de frapper Memorize à la tête. Une autre commission ? Je suis pas une sorte de valet obéissant, Edge. Et je ne suis pas ta conscience, Deline. Tu es aussi libre que tout être humain. Droite, gauche, gauche. Oh, y a rien. Y a peut-être un truc ? Non, non, même pas. Chier. Et nous avons ici une magnifique vue sur... en fait, rien. Vous voulez que je vous dise quoi? Il n'y a rien à dire. J'essaye de trouver des trucs pour parler, là, mais il n'y a rien à dire. Oh, un genre. Mais oui, c'est vrai, les robots, ils peuvent s'occuper des postes de secrétaire, maintenant. C'est cool, ça. Par contre, pour le calcul mental, je me ferai toujours déglinguer par ces saloperies. Oui, j'aime le calcul mental. Donc du coup, je pourrais plus en faire. Ils seront plus forts que moi. La réponse humaine au péril barbare. Je connais cet endroit. Il a été saccagé. Les erroristes sèment le chaos à travers la ville. Profites-en pour monter jusqu'au bureau de Scylla. Ne craignez plus les Vipers. Grâce au projet reconversion, ils vivent désormais vous servir fidèlement. Déjà, les meilleurs d'entre eux ont été enrôlés au sein de la Force Sabre. Le projet reconversion par Memorize, la réponse humaine au péril barbare. Quel saut foireux! Citoyens de Néo Paris, ne craignez plus. Grâce au projet reconversion, ils vivent désormais pour vous servir fidèlement. Déjà les meilleurs comment je l'atteins là ont été enrôlés au sein de la Force Sabre. Le projet reconversion. This is a fucking joke. Memorize, la réponse non, humaine non, c'est au péril barbare. Monte, hein. Mais non, je suis quel débile. Ben ouais, c'est tout de suite mieux. Citoyens de Néo Paris, ne craignez plus les Vipers. Grâce au projet reconversion, ils vivent désormais pour vous servir fidèlement. Déjà, les meilleurs d'entre eux ont été enrôlés au sein de la Force Sabre. J'ai juste une question. Comment tu m'as enrôlé chez les erroristes? Tommy dit que tu as débarqué un jour dans son bar, telle une âme à la dérive, dans une mer de regrets. Il a tout de suite su que tu allais être des nôtres. Mais qui peut se fier à sa mémoire de nos jours? Parfois, je me dis que tu es meilleur poète que révolutionnaire. Peut-être que je le suis dans un monde parallèle. Citoyen de Néo Paris, ne craignez plus. Dans un monde parallèle, oui, tout à fait. Grâce au projet reconversion, ils vivent désormais pour vous servir fidèlement. Déjà, les meilleurs d'entre eux ont été enrôlés au sein de la... Encore des drones. Putain. Le projet... Allez, Niline. Tu peux y arriver. Non, non, merde, c'est plus rapide que moi. Citoyen de Néo. Ah oui, en fait, je serai pas pendant 3 semaines à cause d'un voyage forcé à Londres. À cause de mes parents qui voulaient me faire progresser en anglais.
Donc du coup, je ne pourrai pas jouer pendant 3 semaines, donc pas faire de vidéo. Donc je dois essayer de finir Remember Me dans les jours qui arrivent. Merde, mais comment je... Quoi? What? What? Non, non, casse. Comment je suis censé passer ici, en fait? Mais y a... Assis sur les bords! Non, pas sur les bords, ça marche pas. Comment on passe à cet endroit? Citoyen de Néo Paris. Encore des drones. Allez, Nilin, tu peux y arriver. J'avais pas vu. Non, Oust. Et si je l'enfermais dedans? Hey, lol. Il doit y avoir peut-être un truc dedans. Oh merde, non, Oust. Non, stop, stop. Juste pour te faire chier, je vais te renfermer dedans. C'est con, hein, drone. La force sabre a verrouillé le quartier. Pourquoi il y a une échelle à cet endroit qui sert à rien? Enfin, je veux dire, non, pas dans le jeu, mais pas vite tous les jours, dans... normalement, et ça accéder à quoi? Edge, l'eau a dévasté le quartier. Ces gens ont tout perdu. Et c'est notre œuvre. Le monde entier se noie, Frangine. Tu es la seule qui puisse nous lancer une bouée. Edge, tu me parles en énigme. Tu es mon scalpel, Nilin. Une arme contre une planète gorgée de tumeurs. Un scalpel. Bonjour la métaphore. Ouais, je confirme. Merde, c'est pas où la suite. Je ne vois pas où je dois aller. Et c'est vrai que niveau métaphore poétique, lui, il est un peu à la ramasse. Oui, tu vois, comme un scalpel qui va me servir à nettoyer cette planète de tumeurs cancérigènes. Oui, si tu veux. Sinon, c'est bien la weed. Il y en a encore. J'espère qu'ils vont légaliser dans le futur. Oh, ta gueule. Bitches! Je te niche. Ah, au fait, vous savez quoi? J'ai une bombe. Bonjour, je vais vous bousiller votre paradoxal. C'est. Ah, merde, je suis auto-niqué. Faut pas être. Ah, je vous ai niqué votre cerveau à coup de paradoxe. Pourquoi j'ai ma caméra qui bug? Oui, parce que c'est une bombe logique, donc je dois niquer la logique des gens avec des paradoxes, non? Ou soit j'ai qu'à leur injecter un bout de mon cerveau. Non, là, ça a tué sur le coup. Oui, je dis de la merde, alors. Attends, mais c'est elle qui m'a dit ça? Attends. Même dans le jeu, je me fais vanner par les personnages. Je vais aller me suicider.
Mais quel autiste. J'ai une deuxième raison d'aller me suicider. Au revoir. Un jour, je crois qu'un abonné va réussir à choper mon adresse, je ne sais pas comment, à quand, un compte, un truc à moi, et m'envoyer une corde par la poste. Ça serait drôle. N'empêche que ça serait possible. Et ça serait vachement drôle. Oh, type 610, comme tu dis toujours que tu vas te suicider, j'ai décidé de t'envoyer une corde. Hello. Ah, j'y arrive là. Pourquoi je le sentais venir d'ici? Non, non, moi je vais rester au soleil. Là où il y a des nanas. Hein, qui a compris le rapport avec la chanson pourrie du Club Med? Personne? Si, oui, bon, ok, je vais vraiment me prendre. Mais ils sont nus comme des vers. Ah, au fait, et si j'aurais chargé mes... Comment ça s'appelle déjà? Mais... Oh, je sais pas. Fuck you bitches, bombe! I believe you can fly. Oh putain. Est-ce qu'il n'y a pas un truc activé pour avoir de la lumière dans ce monde de merde? Je veux de la lumière, comment je fais sans lumière? Carnage. Carnage. Non, putain. Attends, ce truc m'a traité de grosse merde? Non, c'est moi ou j'ai mal entendu? Crash. Marée. Ta peur durcit. Ah, parce que la peur, ça peut durcir. C'est comme une bite. Ah oui, tout à fait. Bon, bah, si tu fumes de la weed tous les jours, c'est pas mon problème, mec, hein. C'est l'heure du C'est bon, je peux maintenant m'amuser. Ah, ça fait du bien de régénérer sa vie. La fin, enfin, la fin, oui, oui, c'est la fin du monde. Tu veux jouer aux devinettes, en fait, espèce de gros lourd? Non, c'est moi qui deviens lourd avec ces belles pourries. Mais tout est lié. L'autre, il parle de la fin et l'autre, il parle d'en finir, oui. Ah, il parle peut-être de moi, en fait. Ou deux. Oui, ça serait plus logique. Ah, je vais mettre fin à tes souffrances, c'est ça que tu veux? Oui, ok. Parfait. No problème. Merde, c'est quoi le combo déjà? Non, me tuez pas! Mais il y en a combien de ces saloperies? Non, stop! Stop, stop, ça bug! C'est bien, tu fonces dans les murs, tu es intelligent. Ah, parfait! Je vais pouvoir me régénérer ma vie dessus. Non, non. Ah, merde. Si j'arrive à caler un combo un jour. Merci de me régénérer ma vie. Aïe, connard. Non, je veux pas au overload. Moi, je veux juste me régénérer ma vie sur ce boulet. Aïe.
Bref, j'aurais pas réussi. Bref, c'est par où la suite? Des Leapers, partout. Le quartier est infesté. C'était inévitable. L'avantage, c'est qu'ils attireront l'attention pendant que tu t'approcheras du siège de Memorize. Oui, pendant que des millions de gens se font... des milliers de gens se font tuer par ces saloperies. Pourquoi vous nous avez fait ça? Oublie-moi. Non, pas encore des merdes comme ça, pitié. Non, non, casse-toi. Frappez un enfant, ou un... Hein? Mais comment? Comment suis-je tué un ennemi qui renvoie les coups? Nique la logique. Oui, je suis devenu fan de Marc-Antoine Daniel. Et alors? Oui, parce que même en le butant avec ça, ça... comment je le bute? Mais quel goût d'artiste. Bonjour. Non, sinon ça va toi? Non, là je sais pas, je vais me laisser tuer pour revoir Asus. Je ne comprends pas comment je suis censé tuer. Hein. Vous infligera des dégâts. Oui. Et comment je le bute? Est-ce qu'il y a un moment où je dois le frapper en particulier? Il y a son armure qui scintille des fois. C'est peut-être pour ça. Est-ce que je dois le frapper lorsqu'il est étourdi? Je ne sais pas. Non, ça ne marche pas. C'est bien, oui, bon, les développeurs, ils ont un peu été chiants là-dessus, parce que comment tu fais pour le buter? C'est moi qui suis totalement débile ou quoi? C'est fort probable. Oh ta gueule. Ah ok, il faut juste lui marafler la gueule. Ouais. Faut juste lui brûler la gueule jusqu'à ce qu'il crève en te auto-butant ta propre vie. C'est quoi l'intérêt de ces ennemis à part faire chier et... Ils ont fumé les développeurs quand ils ont fait ce type d'ennemis. Ouais les mecs, j'ai une idée aujourd'hui. On va faire un ennemi qui renvoie les coups et qu'on doit buter et que le seul moyen de le buter, c'est de le taper. Laissez-moi douter de leur santé mentale. Fuck.